touché au quadriceps le week-end dernier lors de la défaite des siens face à Leicester, Idrissa Gana Gueye ne souffre pas d'une blessure grave à l'en croire The Bubble, journaliste spécialiste du club d'Everton. Les évaluations d'Amadou Onana et d'Idrissa Gana Gueye n'ont révélé aucune blessure à long terme respectivement. Les deux joueurs seront surveillés et gérés cette semaine pour déterminer si les milieux de terrain peuvent être impliqués pour le déplacement de samedi à Bournemouth, a révélé la source. Une information qui rassure la tanière alors que la frayeur s'était installée chez les nombreux supporters qui veulent compter toutes les meilleures armes mondiales. À trois jours donc de la révélation du groupe des Lions qui devra prendre part à la Coupe du Monde au Qatar, Aliou Cissé peut bel et bien compter sur son emblématique numéro 5, Idrissa Gana Gueye. Alors qu'il se trouvait dans une excellente forme et devrait forcément tenir sa place dans la liste d'Aliou Cissé qui sera publiée ce vendredi, Sadio Mané est sorti sur blessure lors du match de Bundesliga opposant le Bayern Munich au Werder Bremen ce mardi soir. En effet, mis en difficulté dans un duel avec un adversaire, le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations s'est posé sur la pelouse de l'Allianz Arena, touchant son genou droit. S'il a essayé de poursuivre sa rencontre, il n'a pas pu aller au-delà et a bien demandé le changement à son entraîneur Julian Nagelsmann. Nous espérons que cette blessure est très légère.